Une petite news plutôt sympa, et c'est pour les joueurs rebelles, et ça, c'est en exclusivité sur la chaîne OB Figurine. Salut à vous les amis, aujourd'hui une petite annonce qui fait plaisir. Vous l'avez compris par rapport à la vignette, l'Amiral Akbar va sortir cette année. Donc il y a eu une news qui a fuité sur des sites anglophones de différents forums et ça commence à circuler. Cette petite news de l'Amiral Akbar, donc pour l'instant il n'y a qu'une carte de commandement qui a été dévoilée, son coût en points et sa date de sortie. Concernant la date de sortie, c'est fin août, début septembre, donc c'est approximatif. Alors après, ça dépendra bien sûr s'il y a des retards ou pas pour la France. Le coût en points, normalement, c'est 115 points pour l'Amiral Akbar. Donc ça fait un peu cher, mais j'attends de voir le profil pour me faire un avis personnel. Et la carte de commandement qui est révélée avec un pip, donc c'est Amiral Akbar uniquement. Durant le tour, toutes les unités de type soldat reçoivent un pion suppression. Donc que ce soit la faction des rebelles ou la faction adverse, donc tous les soldats auront un pion suppression. Et ça, c'est génial, et c'est dans le titre, c'est « It's a trap ». Donc en français, « Poisson d'avril ». Et oui, vous l'avez compris, c'était une petite blagounette pour le poisson d'avril. Alors j'espère que vous y avez cru. La carte était bien faite. Mais voilà, j'avais envie de vous piéger pour cette journée de la blague. Et puis voilà, c'était juste génial. Donc n'hésite pas à liker, partager, commenter. Et puis aussi à lâcher un petit pourboire si tu le souhaites sur Tipeee pour aider la chaîne à son développement. Et puis quant à moi, je te souhaite un bon 1er avril avec l'Amiral Akbar.